Bienvenue dans le magazine What's Up in Paris du mois de février 2016. Mensuel, il est dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables du mois de février 2016. Saint-Valentin oblige, voici deux idées de soirée à vivre avec l'être aimé. Optez pour une croisière romantique, embarquez au pont de Bir Hakeim sur le capitaine Fracasse pour un dîner aux chandelles. En tête à tête, les yeux dans les yeux, vous dégusterez des mets raffinés grâce au chef Martial Anguéard et au son d'un orchestre de jazz, vous découvrirez Paris de la Tour Eiffel à la Tour de la Gare de Lyon en passant par le Louvre, Notre-Dame de Paris et le Pont des Arts tout en voguant sur l'eau. Et pour finir, vous offrirez à celui ou celle que vous aimez un bouquet de roses, le tout pour 100 euros par personne. Pour réserver, lecapitainefracasse.com. Sinon, optez pour une solution moins romantique et plus remuante. Comment ? En allant redécouvrir l'Arc, qui comme son nom l'indique, se trouve à proximité de l'Arc de Triomphe, et en dansant jusqu'au bout de la nuit. Redécoré par Lenny Kravitz, cet ancien temple de la nuit renaît de ses cendres. Vous y prendrez un verre, vous y dînerez. Le chef est un ancien de l'atelier Robuchon, et avec un peu de chance, vous y croiserez Mick Jagger. Pour plus d'informations, l'arc-paris.com. À partir du 24 février, soyez parmi les premiers à aller voir l'expo intitulée « Les années 1980, l'insoutenable légèreté, photographie, film » au centre Georges Pompidou. À travers une soixantaine d'œuvres de plus d'une vingtaine d'artistes, de Jean-Paul Goude à Présence Panchounette, en passant par Pierre et Gilles, Martin Parr et Hélène Carret notamment. Revivez ces années contrastées et paradoxales, considérées comme celles de l'apogée du postmodernisme. En France, une décennie cruciale pour la photographie en tant qu'art et patrimoine. Renseignements, centrepompidou.fr. Amateurs de dinosaures, allez les voir et fantasmer seuls ou en famille au Palais de la Découverte. Plongez au cœur de deux environnements reconstitués, du Jurassique et du Crétacé, de 200 à 65 millions d'années. Allez admirer ces gigantesques reptiles aux dents acérées, aux proportions démesurées et à la taille colossale. Renseignements, palais-découverte.fr. Si vous aimez le jazz et la trompette, vous ne manquerez pas d'aller assister à un hommage à un des rois de cette discipline, Chet Baker. Vous irez donc le 16 février à 20h30 au 38 Rives. Écoutez Jean-Manuel Miquel de Flore à la trompette et au chant, Vladimir Médaille à la guitare, Johan Godefroy à la contrebasse et enfin Philippe Magnier à la batterie qui interpréteront pour vous ses plus célèbres morceaux. Réservation 38RIV.com. Plus classique mais tout aussi mythique, vous pourrez aussi aller écouter le célèbre opéra de Rossini, Il Barbiere de Siviglia. Pour ce faire, rendez-vous à l'Opéra Bastille à partir du 2 février et jusqu'au 4 mars pour suivre en musique la pièce de théâtre du français Beaumarchais. Il Barbiere de Siviglia est considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre de l'opéra bouffe italien. Réservation opéradeparis.fr. Faire du bien à son corps, devenir plus zen, en ce mois de février, quoi de meilleur? Alors n'hésitez pas et allez porte de Versailles du 4 au 8 février, visiter le salon Bien-être, Médecine douce et Thalasso. Une occasion de retrouver en 5 jours sa vitalité en partant à la rencontre de ce que proposent les 320 exposants présents. Renseignements, salon-medecinedouce.com. À partir du 8 février, commencera le Nouvel An chinois. Cette année 2016 sera sous le signe du singe de feu et le quartier chinois dans le 13e arrondissement de Paris organisera son incontournable défilé le dimanche 14 février de 13h à 17h. Alors rendez-vous au départ de l'avenue d'Ivry où les festivités commenceront avec la traditionnelle cérémonie de l'ouverture de l'œil de dragon qui sera suivie du cortège au rythme des tambours. Pour plus d'informations et pour découvrir d'autres festivités liées à ce nouvel an chinois, rendez-vous sur mairie13.paris.fr. Bon mois de février à tous et bonne année du singe. Rendez-vous le 1er mars.